Allô? Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Normalement, j'ai tout réglé, tout est bon, tout est parfait. On va être incroyablement paré pour pouvoir commencer ce stream incroyable. Le son n'est pas trop fort. Normalement, j'ai fait en sorte que le son ne soit pas trop fort dans vos oreilles. Si des gens peuvent me confirmer tout ça, ça serait sympathique. On va rester un petit peu sur du calme détente tout en essayant de regarder un petit peu avec de la musique en fond, ça va être craqué. Tac, donc normalement tout est prêt, donc je peux passer sur la scène principale du jeu, du stream, de l'amour, de l'angoisse. Alors. Hop là, et le jeu apparaît sous vos yeux ébahis. Incroyable. Tandis que la musique se termine et qu'une autre est en train de se lancer actuellement. Voilà. Ok. Donc, ok, donc aujourd'hui ça va être du tryhard pur et dur. Ah, je vous jure. Je ferme la pub comme un connard. Issou. Issou. Voilà. Alors. Bref, donc là normalement c'est bon. Je vais tryhard my life. Ok, donc je vais tryhard my life sur 2 voire 3 decks grand max. Je vais tryhard my life sur ce deck là, le match secret. Principe pas très compliqué. On a des créatures de leur, dans leur early. C'est juste pour tenir le, enfin, l'early game. Bref, j'ai le plus de dégâts possible dans la gueule et essayer d'avoir le board, tout ça, tout ça. On va essayer, et le plus important en fait, c'est de pouvoir poser ses secrets. Celui-là qui va permettre de pouvoir contrer tous les sorts adverses, qui est juste incroyable quand tu, quand la personne en face joue pas autour. Et on a celui-là qui est incroyable aussi, qui inflige énormément de points de dégâts à l'adversaire et qui potentiellement deny un mob adverse quand il est posé, quoi. Ça va juste être trop stylé. Après sinon c'est du burst, du boule de feu, et en plus j'ai 6 points de dégâts dans la gueule. Ça c'est censé toucher des points de dégâts et potentiellement avoir une. Enfin potentiellement avoir une grosse créa pour pouvoir
défoncer le mec en face. Et ça, c'est une boule de feu ultra forte qui va tout droit dans la bouche. Bref, assez d'explications. Passons tout de suite au deck. Voilà, donc là, je suis rang 8, 2 étoiles. Normalement, si je gagne, je suis en win streak. Peut-être. Oui, il me semble que normalement, si je gagne, je suis en win streak. Donc, normalement, ça devrait pouvoir être pas dégueulasse si je gagne. Ma vie, ça serait pas de la merde, ça serait stylé quand même. Ok, donc. Ouais. Puf. Ok, c'est bon, il a trouvé un adversaire. Parfait. Matchup que j'ai envie de taguer. Pas lui. Matchup que j'ai pas envie de taguer, c'est lui. Il y a lui là. Putain. Vu que j'ai lui qui va me chercher un secret, meilleure des choses à faire en fait, c'est dégager tous les secrets possibles imaginables. En vrai, éclair de gif, je sais pas si je le garde, mais ouais, je veux quand même le garder au cas où. Toujours du Bernard en main. Apprenti, c'est toujours intéressant à avoir. En vrai, j'hésite à faire pièce arcanologue into apprenti. Mais ce n'est pas un match-up aggro en face. Mais il faut que je prenne le tempo le plus rapidement possible. Sinon, je me fais totalement baiser par le 10 milliards de heal qu'il a dans son deck. Donc en vrai, j'hésite totalement. Si c'est pas une norme de mana qui apparaît au prochain tour, je pense que je vais faire ça. Parce que j'ai quand même un tour 2 assuré derrière avec l'apprenti du sorcier. Donc au final, ça pas. Truc. Donc au final ça m'arrangerait qu'il joue rien. S'il joue rien, je suis trop bien. Ah mais en vrai j'ai trop peur de tous ces 10 milliards de heal. Qui pose 10 milliards de taunt à la con avec les 3-9 et tout là, ça je m'en fous. Parce que j'ai les boules de feu, j'ai tout ce qui va avec pour pouvoir le défoncer. Mais le plus chiant de mon côté personnellement je trouve c'est les améthystes, les deux améthystes qu'il a et les deux pactes funestes qu'il a aussi. Il a ro pour ça. Oh oui. Non, mais mon tour 1 qui était censé être pièce arcanologue a été denied par le William qui arrivait direct. Ah mais ce qui me fait chier c'est que voilà. Ce qui me fait chier c'est qu'il est en train de jouer à 2 à l'heure. Ma vie c'est totalement de la merde. Ok. Ouais j'ai totalement pas envie de le gérer. J'ai juste envie de faire totalement ça personnellement. Il faut juste que j'arrive à aller de full dans la gueule. À ce moment là, j'ai pas trop de trucs. Il a pas forcément de quoi activer le D-File maintenant. Donc s'il veut activer le D-File, il faut qu'il pose quelque chose d'abord. Et il a pas besoin. Et il a pas de quoi activer le D-File maintenant. Donc voilà, donc au final, je suis assez bien dans la game. Ça pourrait arranger que ce soit un contre. De toute façon, que je joue, j'ai un contre ça en fait. Ok, donc là j'ai un. Ok, donc là j'ai peut-être un petit truc à proposer. Qui serait éclair de givre, pièce ping dessus. Ouais. Éclair de givre, pièce ping. Je prends le trade là-dessus pour pas qu'il me fasse truc. Et on y va. Prochain tour, je pose ces deux-là. Pour pouvoir contester tous les sorts qu'il peut me lancer dessus. Il va lancer l'apprenti du sorcier qui va me baisser le coup de celui-là. Et comme ça je serai bien. Ça m'arrangerait qu'il ait pas feu infernal maintenant. Flamme infernale pardon maintenant. Malgré le nombre de fois qu'il a pioché dans ce jeu de merde. Ma vie c'est de la merde. Ok. Enfin bah non, ma vie c'est pas si de la merde. Tant de la merde que ça au final. Un jour je serai. Comme vous. Je vais faire le soigner maintenant et après avant qu'il me cube ou des trucs comme ça. Les 4 points de dégâts qu'il a, enfin les 4 points de vie qu'il a gagné, je les ai enlevés directement. Après c'est comme si je lui avais pas infligé de dégâts ce tour-ci, mais c'est pas si grave que ça. Au final je peux toujours envoyer un des secrets, enfin les deux secrets directement ou alors un des secrets plus ping
Après, j'aurai toujours la lunette qui va me permettre de pouvoir extrêmement bien faire le taf. Je suis trop. Enfin, je suis content de l'avoir eu maintenant. C'est relou. C'est exact. C'est totalement la carte auquel j'avais pas envie d'avoir fait. Mais. Ok. Donc, au final, je vais mettre rune explosive. Non. Mettre contre-sort. Et on va face. A priori, en fait, c'est d'essayer d'aller full face à la main. Faut, ouais, faut éviter d'économiser. Enfin, faut pas économiser les points de dégâts face à ce genre de deck en face. Parce qu'il a 10 milliards de manières de soigner. Et c'est juste extrêmement relou. J'ai pas mis la rune explosive parce que si c'était la 2-2, il aurait pu renvoyer directement la 3-9. Donc j'aurais pas pu infliger des points de dégâts avec mon mob. Donc au final, c'est pas grave. Ça, je m'en fous totalement parce que j'ai pas de sort qui me truc. Voilà, donc il a posé le Geist, on peut voir qu'il a posé le Geist totalement parce qu'en fait il avait peur de la rune explosive. Moi je pose la lunette comme ça me permet d'avoir des ressources directement dans ma main. Incroyable, j'entends je pourrais jouer de portail des terres du feu. Incroyable, incroyable, mais vrai, le joueur français qui surpasse son handicap. Le mec, mais carrément de la merde, je comprends pas pourquoi. Ok, donc là c'est parti, qu'est-ce qu'il va faire? Tout spell qu'il a devrait être. Ah, un mana près, j'aurais pu avoir le Lethal. Ok, oh oui, désormais c'est lui qu'ils serviront. Build the feu. Ouais, je fais ça. Pour commencer, pour piocher. Ça me donne le bloc, ça me donne le glyph. Et au prochain tour, je fais juste ça. Et normalement, au prochain tour, je devrais avoir le létal avec une boule de feu. Il faut que j'arrive à piocher la boule de feu. Une rune explosive, deuxième du nom. Ah merde, non, je vais discard. Fuck. Ah, erreur de ma part, erreur de ma part. J'ai trop pioché. Donc, en espérant avoir une boule de feu là-dessus. Ou même portail des terres du feu, en fait, me donne la win. Mais le problème, c'est que. En fait, non, le problème de portail des terres du feu, c'est que ça me donne pas la win. Ok, donc là c'est un contre-sort, il le sait totalement. J'ai l'impression en fait qu'il a pas plusieurs sorts en fait pour pouvoir deny le premier qui pourrait poser. Ok, donc il a Medivh, c'est une version avec Medivh, incroyable. Intéressante. Bon, ça va, c'est pas une boule de feu. En espérant chatter, on va dire. Ok, prochain tour, j'ai l'étal sur portée des terres du feu. Enfin, quoi qu'il arrive, j'avais jamais l'étal sur portée des terres du feu. Mais au final, là, j'ai toujours le. Enfin, j'ai l'étal quoi qu'il arrive en fait. Le problème c'est que je pioche un peu trop à mon goût. Bon, ce qui m'arrange là c'est que j'ai totalement ce qu'il faut pour pouvoir deny. Voilà, j'ai ma petite bombe de glace pile à temps pour que lorsqu'il me proc, il me tue pas. Ça met la 3-9. Bon, ça active mon secret mais c'est pas grave. Ma main est déjà pleine et j'ai porté des terres du feu qui vient la finir. Qui vient le finir. Une game rondement menée. Et en plus, il y avait Leroy Jenkins. Mais non, mais putain, mais pourquoi Leroy maintenant? Non, putain, mais ça me nique toute la chance pour plus tard. Bref. Là, j'aurais tellement kiffé avoir Leroy sur. J'aurais tellement kiffé avoir Leroy plus tard. J'aurais une autre game où ça aurait été plus intéressant de l'avoir. Là, une game où j'ai totalement gagné avec le portail des terres du feu. Leroy ne sert à rien et je l'ai quand même eu. Mais putain, mais vas-y, mais non, mais nique-toi. Putain, j'ai. Tant pis. Je bois un petit peu d'eau parce que c'est toujours intéressant de s'hydrater. Ah, on va s'amuser un petit peu. Je dégage toute cette main. Par contre, il y a trop de démonies dans ce putain de ladder. Il y a trop de démonies, il y en a beaucoup trop. Laquais secret? Éclair de givre, non. On aurait peut-être pu poser le laquais juste pour poser le laquais au final. C'était pas si. Ah fuck, ouais. J'aurais dû poser le laquais, au début pour poser le laquais en début de game. Ça m'aurait permis de faire des trucs pas mal.
Prochain tour, je vais faire la caisse. Ah, le problème, c'est qu'il a la pièce, donc si je balance un contre-sort, je peux pas me permettre de balancer le contre-sort si c'est un secret à. Mais par contre, t'es relou, mec! T'es relou! Un gars relou! J'ai pas balancé de secret parce que. Voilà. j'ai préféré ne pas balancer de secret, comme ça au moins je suis. Mortal Coil, ouais, vas-y, mais il a tout, ok. Bon, cette game va être compliquée. Mon départ est pas exceptionnel et il a un départ assez ouf. Parce qu'il réussit à piocher énormément. Je vais lancer ça. Un jour tu seras comme moi, excellent. En vrai, ça peut totalement bullshit une game. Ça peut totalement bullshit une game. Ça met des spells aléatoires dans mon deck. Putain, ça m'énerve. Non, mais non, c'est dommage en fait que je puisse pas mettre une cape parce que là je mets des mouvements de main incroyables. Ah, tu vois, là je mets des trucs dans mon deck. ok, donc je mets ça dans mon deck. Je mets un éclair de givre là-dessus. On met un glyphe. Incroyable, mais vrai. Et ça donne un bloc de glace. Pourquoi pas un bloc de glace? Mais c'est peut-être un peu exagéré. Quoique, pourquoi pas en vrai? Ça me permet d'avoir un truc et il faudra qu'il teste le contre-sort dessus. Ça me permettra de cancel en fait, quoi qu'il arrive, tous ces spells débiles qui viennent là-dessus. Voilà, donc là il a testé totalement la pièce. Là il met la 2-2 pour tester une rune explosive. C'est ni l'une ni l'autre. Dark Pact, c'est un connard. Et en plus, c'est un cube. Ok. Foiré. Ok. Oh, le nourriche. Il me donne de la mana. Oh, l'explosion. Oh, c'est incroyable. Oh, ma vie, c'est trop bien. Ok. Ok, garde funeste, ok. Donc c'est un cube, c'est pas un contrôle full contrôle. Donc ça déjà, ça m'arrange un petit peu, parce que ça veut dire qu'il a pas forcément de néant destroy. Ouais, glad to be here, yes. Ok, donc là il va full face, je le comprends totalement. Il a déjà utilisé un Dark Pact, donc au final ça me va totalement. Il a quand même utilisé un Dark Pact, j'ai un truc, il a pas tenté de faire le trade. Il a voulu tenter l'agression. Ça n'a pas marché, dommage. Ok, donc là il j'ai évité de full spam le board comme un mongolo. Au final, qu'il se fasse cube ou des trucs comme ça, je m'en fous un petit peu. J'ai envie d'aller full dans la gueule. En fait, qu'il se fasse cube. Ou quelque chose comme ça, je m'en fous. De toute façon, que son heal il existe, quoi qu'il arrive, je pourrais rien y faire. Donc, j'ai pas trop le choix, donc. Il va se faire cube, voilà. Il y a Dark Pact, ouais, voilà. C'est horrible ce deck en face, quand même. Je trouve ce deck juste totalement horrible. Prends pas double trade, s'il te plaît, pas ta pute. Ah, bâtard! Oh là. Roll man. Ah ouais. Bloc de glace, ok. Malchésar, incroyable. Malchésar c'est vraiment fort, c'est vraiment intéressant. Ok, donc là. Non, pas lui. Putain, non, mais pourquoi sur lui? Ma vie c'est de la merde, ma vie c'est vraiment de la merde. Putain, mais non, vas-y. Allez, s'il te plaît, pas de putain. Ah putain, plus là le crâne, mais vas-y, mais nique-toi, tis-toi. Ok, donc là il va prendre le trade avec ça là-dessus. Ah vas-y, mais ma vie c'est tellement de la merde, il a tellement eu tous les heals possibles, imaginables. Ah, incroyable. Ah, ah. 4, 5, 6, ok. Ok.
Là, tu vois, ça m'aurait arrangé un Leroy Jean 15. J'ai pas de contre-sort en finale, donc en fait, en gros, si j'utilise un néant distordu. Enfin, quoi qu'il arrive, en fait, j'ai l'impression. Non, le cube, j'utilise pas de néant distordu. Donc, si je balance ça. Ouais, vas-y. Ok. Non, dans lui, dans lui! Mais vas-y, mais nique-toi! Mais je me fais tellement deck, je me fais tellement wrecked par la RNG, what the fuck? Les deux spells qui font des dégâts, je les ai pris sur ma gueule, what the fuck? Bon, ça veut dire, non, mais en fait, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange. En fait, au final, ça m'arrange qu'il soit pas la 3-9. Enfoiré! Donc, au final, oui, j'ai quoi comme Tal'Darram. Ok, donc il m'a pas proc ce tour-ci. Là, je suis extrêmement content qu'il m'ait pas proc ce tour-ci. One off. Ok, il est one off. Moi j'ai un bloc de glace. Ok. Il suffit juste que j'arrive à top deck un spell. Ouais, ou lui. Parfait. Là normalement j'ai l'étal au prochain tour. Bon, par contre, le problème c'est que ça. Le problème est là. C'est que j'ai ça qui arrive dans ma main et ça me fait full humain. Mais le problème, c'est que. Enfin, pas le problème. Le gros avantage, c'est qu'il sait pas soigner. Enfoiré. Non, 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 Ok, il est à 2, il va remonter à 5 avec ses trucs. J'ai reposé un deuxième bloc, je vais mettre ça et plus ça. La 3-9, il a totalement carré. Non mais vas-y! Ma vie c'est de la merde, je discarde la pyroblast au moment où j'en avais besoin! Putain, démoniste de merde! Putain! Ah! Non! Putain! Flip! Putain. Pourquoi tu m'as fait ça, Flip? Oh! J'ai des drops de frame. Incroyable. Ah, il faut que j'évite d'être seul là-dessus en fait. Non, je suis trop con moi. Je suis con moi aussi. Tu m'étonnes que j'ai des drops de frame si je m'amuse à faire des trucs incroyables avec ma connexion derrière. Si, tu vois, t'as vu, c'est ça qui est la vérité. Putain, qu'est-ce que je raconte moi? Je suis vraiment devenu débile. C'est la musique en fond là qui me pousse à être ouf malade. Par contre, ma sortie est juste insane. Je tiens juste à dire que ma sortie est insane en ce moment. C'est l'insanance absolue. L'insanance, l'insanation, l'insanity. Tac, tac, tac. Oh, en plus, c'est une rune explosive, c'est parfait. J'ai pas besoin de mettre un. Voilà. Tu m'as compris. Vu que j'ai le board, ça sert à rien de prendre des trades. Tu vois bien? Tu comprends là? C'est pas bien de prendre des trades. Là, il faut juste aller full face. Putain, mais non, mais non, mais je suis trop con. Oh, l'euphorie de mort que j'ai. Ok.
pièce, un jour je serai comme vous, ça dégage, tu prends 4 dans ta gueule. Et c'est censé mettre un secret. C'est censé fonctionner avec normalement, il aurait dû mettre un secret là maintenant. Mais le problème c'est qu'il est mauvais. Donc je mets un jour je serai comme vous de mon côté, je le ping lui pour pas pouvoir traiter mon un jour je serai comme vous. Et j'ai full dans la gueule. C'est totalement contrôlé, maîtrisé, incroyable du cul. Tin, tin, tin. Tu sais, c'est ça qui est la vérité, il a utilisé quand même une boule de feu sur lui. Quoi? Nanana, nanana, nanana. Non, t'es sérieux là? Mais gros, c'est illégal ce que tu viens de faire, tu le sais ça? Mais c'est totalement illégal ce qu'il vient de me faire. Il a balancé une boule de feu sur... Mais what? Mais what? Et j'ai totalement gagné la game, puisque voilà, je suis trop fort. Voilà. Et au prochain tour. J'aurai juste à balancer un portail d'éther du feu dans sa gueule. Oh. Alors, là s'oppose un petit dilemme. Il y a un contre-sort qui va se perdre. Donc Final Attack. Et ça, ça dégage. Donc vu que c'était pas un contre-sort au final, ça me va. Après, j'aurais pu... ouais non mais en fait non ouais, non j'ai gagné en fait n'importe quel mob qui met ouais tu saignes pour ta daronne ouais allez portail d'éther du feu c'est gagné je l'ai totalement non mais vas-y mais putain ah c'est quoi cette RNG de fils de chien non vas-y mais putain what the fuck c'est quoi cette RNG que je me tape quoi. A chaque fois que j'ai pas besoin d'un truc avec charge, je l'ai. A chaque fois que j'ai besoin d'un truc avec charge, je l'ai pas. Vas-y. Putain, j'ai enchaîné Leroy, il garde Thunest, quoi. Putain. Ah. Oh. Même si c'est de la merde. Ok. Donc, bon. Pas de démonie, s'il vous plaît. Parce que je commence à vraiment en avoir marre de ces démonicites à la con. Je gueule un petit peu trop fort, mais c'est pas grave. Ah, salut toi. Salut Rexar. Oh, attends, j'ai juste à dégager. En fait, je sais même pas quoi dégager au final. Alors, au final, en fait, le truc est de savoir en fait quel secret je vais jouer instantanément. Si je, est-ce que je contre-sort ou est-ce que je joue rune explosive? Il y a beaucoup de... Ouais, non, je vais jouer rune explosive quand même. Donc j'enlève ça. Au cas où, en fait, au cas où si j'avais la, au cas où j'avais la Wyrm en fait, ça aurait pu me permettre en fait de faire la meilleure sortie. Oh ma vie, c'est tellement bien. Oh vas-y, je vais tellement trekt. Kunar. Oh je vais tellement trekt. Oh après toi avoir. Merci. Ok, c'était un piège givrant. Donc ça m'arrange. Enfin, c'est pour 3, ça fait mal au cul. Mais je pourrais jouer un secret. Enfin, un secret entre guillemets. Entre guillemets gratos. Ouais bon je vais le rejouer là maintenant. Et je vais faire ça. Ok donc là ça doit être un full spell assez spécial. 94% de spell. Parce que si je dis full spell, y'a un mec que je connais qui va me casser le cul. Hein.
à me casser du couille en me disant ouais non c'est pas full spell, tu joues Barn s'il charge dans ce deck de mort. Alors c'est fin full spell. Ok. Petit placement sur tir truc qui fait 5 et 1 sur les côtés là de tout à l'heure là, celui que moi j'ai utilisé sur moi tout à l'heure. Oh. Ok. Faut qu'il arrive à trouver l'étal maintenant. 3, 6, 9, 12. 12 plus 4, ça fait 16. 16 plus 1 ordre de tuer, ça marche pas. 16 plus 2 ordres de tuer, ça fait 26. Il serait peut-être. Attends. Il est 2 off en fait, avec double ordre de tuer, il est 2 off. Non, 3, 6, 9, 12, 12. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça m'arrangerait de top deck un spell, s'il te plaît, voire envoyer le Medivh. S'il te plaît, le jeu. Le jeu, s'il te plaît. Oh, ça me permet de tempo. Ah, ma vie, c'est trop bien. Il est obligé d'utiliser une fusée éclairante, donc ça veut dire qu'il ne peut pas jouer deux ordres de tuer sur ce tour-ci. Donc, ça me laisse le temps de jouer le portail des terres du feu au prochain tour pour pouvoir l'achever. De toute façon, pièce de son, je suis pique, je gagne. Donc, ma vie, c'est pas du tout de la merde. Ma vie, elle est trop bien. Attends. Attends. Arc. Ok, c'est bon, j'ai gagné. Il voulait savoir si c'était un. Ouais. C'était légitime pour lui en fait de savoir si. D'aller check si c'est un. Voilà. Excellent, j'ai gagné. Parfait. Ça se passe assez bien, je suis content. Voilà. Je suis à côté. Ah oui, bafouillage, ma couille. Je suis assez content de mes games. J'arrive assez bien à gagner. Là, normalement, si on la gagne, on sera en win streak. Et ensuite, et en plus, on passera à rang 7. Ce qui sera excellent, ma couille. Ouais, allez, allez, allez! Putain, je suis euphorique, c'est chaud. Ouais, j'apprends. Oh non, niquez-vous! Ok. Éclair de givre, je suis. En fait, ça pourrait donner une excellente profanation au tour 3, voire je sais pas combien. Donc, au final, je vais peut-être balancer ça. En fait, au tour 3, ça donne une excellente profanation. En fait, je joue ça, ensuite je joue ça, et le mec il vient juste de jouer le truc à 1. Ça fait 1, 2, 3, et c'est vraiment la poule. Donc, je préfère faire ça. Ça me donne une boule de feu. C'est. Voilà, mais ça me permet de me protéger de la profanation et potentiellement d'avoir un truc assez bien à jouer le truc. Donc là par exemple si t'as un laquais de la si t'as un, si t'as un laquais connard là, la 1-2, la 2-1, voilà pardon, la 2-1. Sadaron! Ouh, Sadaron! En short! Sadaron en short! Un garlou, alléluia, un garlou. Bon, c'est un éclair d'ogive qui va pas dans sa gueule, mais c'est quand même un éclair d'ogive assez rentabilisé, parce que quand même je lui affiche 2 points de dégâts avec la Wyrm. Ma Wyrm survit, il ne peut pas la tuer avec 3, avec 2, 3 points de dégâts. Nique-toi, très fort. Alors.
Bon, les dégâts de la boule de feu sont pas extrêmement bien rentabilisés, mais j'avais pas trop le choix. Faut que j'avance en fait avec ce deck. Faut pas que je lui laisse le temps de réfléchir. Améthyste de fils de. Non, mais vas-y, mini-toi! Très fort. Oh, ça me... oh putain, j'ai la lunette, excellent ça. Glyph. Qui me donne météore, ça peut être sympathique. Après, j'avais un autre secret pour pouvoir combattre avec ça. C'est un tour extrêmement faible celui que je viens de faire là. Mais j'y crois à mort. Il s'auto-mutile. Totalement. Ma vie, c'est de la merde. Prochain tour, je pourrais jouer ça. Non, prochain tour, je joue la lunette. Ça me permettra d'avoir énormément de cartes en main et d'avoir 10 milliards d'out possibles imaginables. Ok, donc ça, bon, il a réussi à tanker la métiste avec ça. C'est si chiant, mais c'est pas grave. Là, c'est un choix à lui de faire en fait. Est-ce qu'il prend le trade? Il a décidé de prendre le trade. Donc je peux balancer un ping directement dans sa gueule. Ça va être un tour mort pour moi parce que je pourrais pas poser de mob. Mais je peux quand même me mettre à lunette maintenant. Ok. Voilà, excellent. Voilà. Un autre Dark Creeper, c'est assez relou. Par contre, le problème en fait, c'est que j'ai pas lancé une boule de feu sur son. Ok. Donc là, je peux lancer au Quirm. Arcanologue. On va piocher un secret. Jouer météore là-dessus. Ça a été fait pour gérer des mobs. Ça, c'est un mob qui me fait chier. Prochain tour, je pourrais balancer tous mes trucs avec les contre-sorts et tout le reste. Ça fiche 3 points de dégâts. Tout point de dégâts auquel qui s'inflige lui-même, ça me va. Donc au final, je joue match du Kirin Tor. Contre-sort. Ensuite, je joue. Est-ce que je joue les livres cristaux en fait? Parce que là, j'ai contre-sort. Vas-y, en retard, J'aurais dû en fait jouer. Ok. Avantage, je ne discarde aucune carte. Et avantage aussi, c'est que j'ai la pyroblaste dans la main. Alors, donc on met. On met totalement ça. Wait! De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours les 3, les 1-3, elles seront toujours là. Tac! Wait! Plevait! Il m'en faut plus! Je m'en fous, il discard, il a pyroblast dans la main! Wait! Ce que j'ai balancé, c'était un contre-sort. C'est pas grave! J'en m'en bats la race parce que j'ai one-off, mon gars! Oh le one-off! Oh ma vie, c'est tellement de la merde, c'est one-off quand même, putain! Être one-off à ce point, vous l'avez gagné! Ok, donc. Ma vie, c'est tellement de la merde, putain! Ok, je discarde la deuxième boule de feu. C'est relou. C'est vraiment relou, putain, je discarde toutes les boules de feu du monde. Ok.
Putain, il avait une confiance absolue en contre Sora. Par contre, ma vie, c'est tellement de la merde. Non! Il a récupéré 9. Non! Putain, mais non, mais je vais la perdre parce que j'ai discardé la boule de feu, putain! Mais j'ai plus de socle. Oh putain, je misplay. Ah, nique-toi. Casse-toi, 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 tu mérites pas. Casse-toi, casse-toi. Putain de démoniste de mort, quoi. Putain, avec vos cartes de soins de merde, là. Putain, mais cette extension, elle a tellement up le démoniste, mais c'est d'une force, quoi. Putain, ce deck a juste beaucoup trop de heal, quoi. Incroyable. Ce deck a juste beaucoup trop de heal. Putain, et comparé à ça, les deux cartes que je discarde quand même. La carte que je discarde, les deux cartes que je discarde, c'est Glyph, qui aurait pu me donner un blast, et Boule de Feu, qui aurait pu me permettre d'avoir le létal avec le Malvalet de Medivh. Putain, ma vie, c'est de la merde. Ok, quand Medivh. Alors, bonjour Medi. Comment tu vas? Je préfère avoir des mobs en début de game. D'avoir des mobs. Des trucs qui tiennent l'early game. Incroyable du cul. Incroyable, j'ai une arcanologue. Et j'ai même pas de secret en main. Et donc ça me permettra de faire des trucs à Zedway. Des trucs ultra Zedway. Incroyable du cul. Oh, le tour 2, tour 3, tour 4. Il va être incroyable. Ok, je pioche un bloc de glace qui va me permettre de faire des trucs incroyables, mais vrais. Un éclair de givre est utilisé sur le joueur adverse. Il m'inflige des points de dégâts. Ok, donc je vais balancer ça. Plus ça. En fait, si j'avais fait un play développant entre guillemets, je sais pas si je m'en serais bien sorti. Donc au final, je préfère mettre ça. Faudrait le laquer. Ah, oh, Tadaron en short. Tadaron en short. Je vais la perdre. Je vais la perdre. Je vais la perdre parce qu'il a eu la pièce. Je vais la perdre parce qu'il m'a cassé le cul. Je vais la perdre et il va me casser le cul. Oh non, glyph into glyph à l'infini. Oh ma vie, ça va être de la merde. Il va glypher à l'infini. Il va me faire un glyph, puis un autre glyph, puis un autre glyph, puis un autre glyph, puis un autre glyph à l'infini. Jusqu'à... qui va avoir bah, une Wyrm 30 à 33, hein, qui va me one-shot totalement. En vrai, c'est un 33 au final, il me one-shot pas parce que j'ai le bug de glace. Et il me sort un brise-sort et là je suis totalement baisé. Mais pas un brise-sort, mais un manche secret, là je suis totalement baisé. Mais voilà. Par contre, ça va être la merde. Hein. Prochaine extension, le manche. Nique-toi. Nique-toi très fort. Nique-toi, bâtard! Bâtard! Pardon. Bâtard-u! Excusez-moi, mais vous êtes en feu. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, Johnny. Il m'a totalement pris de court. Il m'avait totalement pris de cul. Pris de cul. Je n'ai plus de points de vie. M-
Medivh, s'il a lunette, je me la coupe. Il n'y a pas à lunette, c'est bon, je vais pas me la couper. Ma vie, c'est pas de la merde. Putain, faut que j'arrête avec cette expression, j'utilise beaucoup trop. Enfoiré. Attends, est-ce que je check des trucs? Ah bah, j'ai pas l'air d'avoir un grab de frame. Mais mon adversaire a l'air d'avoir de tension. La tension incroyable, élément de gameplay dans ce jeu incroyable. Là, il va falloir que je commence à bourrer full dans la gueule. J'ai... Ok, donc là, celui-là vient totalement de son deck. Celui-là vient totalement de son deck. Là, en fait, 4, 5, 6. Ouais, là, en fait, il me proc en fait si je prends pas le trade là-dessus. Donc, je vais prendre ça. Je vais aller dans la gueule. La pyroblast qui me permettra de faire un truc assez stylé. Un grimoire de cabaliste. Ok. Oh, le ship! Oh, ta mère! Oh, putain, mais tu vas arrêter de chatter ta race! Oh! Connorman! Ouais, mais c'est que si c'est une rune, je vais me faire niquer avec ça, quoi. Donc au final, je vais peut-être balancer ça là-dessus. C'était un contre-sort. Bordel, il y avait des ordres d'immerde. J'avais besoin de la. Le ship m'a totalement niqué. Ah putain, non, viens, on revient. C'est pas bien. Tu vois, ça, c'est pas bien. On peut pas revenir en arrière. C'est pas bien. Ok. Je fais une autre défaite avec ce deck. Et ensuite, je switcherai pour un gameplay incroyable. Je switcherai pour un gameplay incroyable du paladin ou alors du chasseur. Ah bah tiens, en parlant de paladin, il est là lui. Ok, donc Valet de Medivh, je suis pas fan de le garder directement. Par contre, la rune explose ou le truc, c'est pas mal en fait. Contre-sort, ça permettra de bloquer son appel aux armes, ce qui m'arrangerait pas mal. Donc je vais quand même faire ça. La rune explosive, je l'ai enlevé parce que au final, il sera toujours clair en fait. La rune explosive sera toujours utile alors que forcément, de toute façon, je pourrais toujours la pêcher avec ça. Ah, la lumière faiblit. Mais nous continuons le combat. Je vais mettre ça, je vais m'énerver. Ok. Et de toute façon, en plus, je suis dans l'explosif maintenant, au final, voilà. Ouais. Ah, par contre, sinon, il va se calmer. What? Wouah! Bah, salut! Pardon. Ça. Ça. Ça, ok. Oh, attends. Bullshit man, c'est parti. Je le savais! J'en étais sûr! Je le savais! T'allais avoir ça, foiré va. Non mais ça va être l'heure de Bullshitman. Bullshitman, il est présent. Bullshitman. Ah, je vais la perdre. Je vais la perdre. Il a trop d'avance. Je vais la perdre. Avec l'avance qu'il a, je vais la perdre. Ma vie, c'est la daube en boîte. Pouvoir héroïque avec les trucs, il me faut le deuxième glyph qui me donne une AOE, ou alors la 5 trucs qui me donne une AOE. Un néant distordu, je dirais pas non. Ma vie, elle pue la merde. Je mets un bloc de glace pour pouvoir essayer de tempo, mais je peux pas le faire. Je sais pas la vie, mais je comprends pas pourquoi. Ok. Ok. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Il a full spam le board.
Non, si c'était un appel aux armes, il allait le tenter plus tôt. Non, enfin plutôt, il aurait sacrifié plus de mobs, j'ai envie de dire. Ça, un lion de cristal, un lion de jade ou un lion de Taras. Mais il m'a fait une sortie de connard. Connard. S'il te plaît. Oh oui! Le problème, c'est que je suis obligé de jouer le rôle de l'agressé dans cette histoire. Là, il va prendre le trade avec son arme. Ok, ok, ok. Donc là, il va falloir que je... Ok. Arrête de putain de pousser des mobs! Arrête! Arrête! Un homme relou, arrête! 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 Un taunt. Une provocation. Une forte provocation. Je joue le top deck parce que ça va le faire rager. Ah non, mais je peux même pas, en plus j'ai pas assez de mana. Oh putain! Ouais, j'ai quand même. Rich kit. Ah non. Bon ok, je joue paladin. Je joue paladin, j'ai joué assez mal pour aujourd'hui. Je joue paladin. Paladin. Bon, on va faire un professionnel. Paladin. Bon. Vu que j'ai pas de personnalité en fait, je joue exactement le même paladin que lui. Ah non, attends, c'est pas la bonne decklist. Excusez-moi, c'est pas la bonne decklist. C'est celle-là. Ok. Donc paladin. Board. De quoi gérer des trucs trop relous avec des milliards de points de vie avec provocation grâce à l'égalité. Board qui va me permettre de pouvoir récupérer du board grâce à la dégonie. Keskuiman jongleur de couteau au rapport. Lou Alpha pour faire mal. Il donne de l'attaque et ça. Ça c'est pouvoir soit être offensif, soit être défensif, c'est au choix, c'est toi qui as la vérité, c'est toi qui choisis. Arme. Ah bah, c'est arme plus buff. Bouclier divin c'est craqué. Carte la plus craquée du paladin en ce moment. Appel aux armes qui amène 3 serviteurs coûtant 2 au moins de votre deck. Ça permet d'épurer le deck, ça permet de poser du board insta direct. Magma feu pour faire synergiser avec les recrues de la main d'argent que j'ai là et que j'ai là. Gain niveau pour synergiser avec les Magma feu qui donne adaptation, voilà. Avec, genre en gros, qui peut totalement buff, totalement tous mes autres coups de mana d'argent. Ça buff, ça donne plus de provocation. Donc, s'il y a un mec en face, il attaque, je mets la muraille de Shield de l'espace autour 10 avec ça qui met le 5, plus ça qui met plus de provocation. Donc, on aura 5-3-3 provocation. Si j'ai de la chance, j'aurai ça au tour précédent. Donc, ça veut dire que j'aurai 5-3-3 provocation en plus bouclier divin. C'est incroyable, ma vie est incroyable. Pourquoi je parle de ma vie, je sais pas. On a Tarim qui transforme tous les proms en 3-3, ça permet de passer des trucs bien, ça permet d'avoir des létales de l'angoisse et tout ça. Lion de cristal qui synergise totalement avec les recrues de la main d'argent, parce que si t'as beaucoup de recrues de la main d'argent, c'est bien, et ça permet de poser des recrues de la main d'argent et de taper fort. Donc voilà. Objectif, la tête. La tête, c'est tout droit. J'écris peut-être un peu trop fort. À peine. Je dois saturer. Et je continue à gagner comme un coup de vie. On a quoi là? Jaina. Ok, Jaina. Jaina. Ok, donc. Final en fait, j'ai. Non, c'est ça. J'ai gardé que l'arme qui va me permettre de pouvoir faire des petits trades. Ma vie. Mais ma main est dégueulasse. Non, mais dégueulasse, j'ai pas d'Arly. Sachant qu'en plus que c'est lui qui a la pièce. Oh putain, Tarim. Oh, Taras. il me faudrait un bon mob. Un mob sympathique. Un mob sympathique. Oh oui, il a une main de merde aussi. Oh, je t'aime le jeu. La lumière me protège. Oh, je m'amuse un petit peu. Allez, Issou. Voilà, ok. Également, c'est un glaive. Un glaive primordial. La primordialité de l'angoisse. Alors. Ok, j'ai reçu l'arme qui me donne plus en attaque. C'est propre, mais généralement, c'est ça, puisque ça me permet de buffer mon arme.
Ça me permet de buffer ma recrue. Enfin, ma équipe. Ouais, je vais quand même attaquer une fois avec. Prochain tour, normalement, il devrait peut-être mettre mage du Kirin Thor. En fait, si mage, si mes secrets, je suis pas bien. Enfin, je suis bien, mais je suis pas bien. Mais voilà, vous m'avez compris. Pas mage du Kirin Thor, plus secret. Je mets juste un mage du Kirin Thor, je m'en fous, mais à plus. Enfin, c'est le secret qui me les briserait. Un jour, tu seras comme moi. Il met un secret, ma vie, c'est de la merde. Il met la pièce et il met un éclair de givre. Dans un éclair de givre. Ok. J'ai pas le choix, je suis obligé de balancer un stégosaur magma feu gratos sur le board. C'était une rune expo. Prochain tour, je balance ça. Ah, mais putain, ça me fait chier quoi, c'était une rune explo. J'aurais pu jouer mon truc, j'ai joué le tour de. En fait, Stegosaur était moins une priorité que ça. Ah, Renouman! Renouman! Insupportable man! Quoi, mais c'était les deux! Ah! Ah! Ah, je me fais valider comme une merde. Mais sérieusement quoi, je... Ah. Quoi? Quoi? Attends mais... Attends, quoi? Il y avait une rune explo qui venait pas de son deck? Putain, mais je traque mal les cartes aussi, moi. Putain, j'ai envie de pleurer. Ah non, mais vas-y, mais ma vie c'est tellement de la merde, j'ai envie de péter un câble. Et il commence à aller full face parce qu'il se dit, ouais, vas-y, il est gratuit. Ah non, mais nique-toi. Et on va full face. Ok, donc prochain tour, je peux balancer un Tarim. Un Tarim serait pas si avantageux que ça pour moi au final. Mais Tarim, enfin un token plus Tarim serait toujours extrêmement cool à balancer. Et il m'a cassé mon bouclier divin, il a quelque chose en tête. Portail des terres du feu. Ouais, bah là, j'ai pas trop chaud. Ok, il est pas prêt. Moi non, toi non plus, tu n'es pas prêt. Oh, ma vie, c'est tellement bien. Alors. Double token. Ok, donc ma vie c'est de la merde, 10 000 points de dégâts. Bref. Au final, ça fait ça. Ensuite, je fais ça et je fais ça. Ok, j'ai mis 5 points de dégâts. Donc, si je suis one off, si à un moment dans la game je suis one off, vous saurez pourquoi. Parce que je suis trop con. Prochain tour, je pourrais balancer 4, 8, 12, 15. 18, 19, non. Ah, mais il a. What? Mais ta race en short! Problème est là. Problème est s'il a dû la. Non, il a dû... Non mais en fait j'ai gagné. Non mais en fait j'ai gagné. Mais qu'est-ce que je me rends compte moi, j'ai pas, je m'inquiète pour rien. J'ai totalement gagné. Voilà, totalement. Vas-y, dégage. Putain, je pensais que j'étais à what the fuck. J'ai même pas tiqué mes points de vie moi, mon gros lot. Putain, les games vont tellement vite que j'ai... What the fuck.
Mon golo. Ok, donc sinon moi. Ok. Ok. Moi. Pardon. Est-ce que je raconte moi? Ok, bon, je raconte de la merde, ok, j'ai rien à dire. Quand j'ai rien à dire, faut me fermer ma gueule. Oh, ça c'est fort. Ça c'est un peu trop late, si j'ai envie de dire. Ça me permet en fait de pouvoir jouer sur Brise Pénombre à un moment, puisque je pourrais toujours poser des tokens derrière. Lion de cristal vraiment incroyable. Attention, c'est vraiment lion de cristal, ça fait. Ouais, c'est vraiment lion de cristal. Et il vient de m'annoncer qu'il n'avait pas de tour 1. Et je trouve cette information incroyable. J'aurais dû pièce jongleur à ce niveau-là de la game. Je pense que ça aurait pu être incroyable. Moment de liesse. Je mets un jongleur parce qu'il m'a rien posé pour le moment. Il peut le mot de l'ombre douleur. Mais moi pour le moment. Pièce appel aux armes. Ok, cuillère. Incroyable. Incroyable. Oh baby, a triple. Oh putain. Est-ce que dans ton premier cas, si je peux le trade ou pas. Non, en fait, il faudra juste me multiplier une cuillère d'argent si... En plus, s'il me la balance de monsieur, au final, quoi qu'il arrive, je vais toujours... ça, mon plan de jeu changera pas forcément. Donc, j'ai pas attaqué. Prochain tour, je pourrais balancer ça sur un de mes mobs, ou alors peut-être une égalité, pourquoi pas, pour pouvoir prendre le truc. Ouais, c'est bien ça, c'est bien Brise Pénombre. Ouais, voilà, je m'en doutais totalement. Je savais que c'était Brise Pénombre, voilà ce tour-ci. Je balance 10 milliards de tokens, j'essaie de refaire un full board maintenant. Le full board est la seule manière pour moi de pouvoir gagner un petit peu, et de pouvoir un petit peu forcer le peut-être le deuxième Brise Pénombre. Il y a un deuxième dragon dans la main, un autre dragon dans la main. Ce qui m'arrange pas des mars, tu vois. Ok, donc lion de cristal. Ok, on a 10 milliards de recrues de la main d'argent sur le board. Je vais en garder un. Ça me permet de... Et on attaque face avec lui aussi. Prochain tour, si Yatarim, je suis trop yam. Surtout que le prochain tour sera Lion de Cristal si j'ai pas Tarim. Je vois toujours balancer une Egaliguataras, ok. Ok. Ok, donc là je peux balancer égalité. Token. Lion de cristal, je tue ça. Je tue ça et je vais dans la gueule. Prochain tour, je pourrai balancer l'arme directement sur le board là, ce qui le protégera. Une pincée d'amanite à un talon de ta sœur. Un tour 10, il n'y a pas de taunt au tour 10, donc ça me bat totalement. Et j'ai totalement ça pour pouvoir le gérer s'il y a un problème. Ah, 12 Sirantus. Ah, ma vie. Ah. Ah, mon boule. Ah. Ok. Ben, je tiens à dire que rien n'a été truqué. Ok, donc je vais balancer là-dessus. Ok, là je pourrais toujours balancer. Ouais, donc au final je peux faire ça. Ok, donc là maintenant, comme ça, il pourra plus casser mon bouclier divin, plus attaquer derrière avec Tyrantus. Donc il est obligé de balancer un Brise Pénombre directement sur le truc. La provocation quand même est arrivée au point nommé, on va dire. Il a putain, mais ta race!
5, 6, 7, 8, ok. Et on met le bouclier divin sur tout le monde. Ok. Pas un bardas 5. Oh non mais calme ta joie. Yes. Putain, le Tyrantus fait tellement le café dans sa game, dans sa truc. Ok. Je peux pas me permettre d'avoir un autre truc qui me saoule. Il y a un contrôle mental qui a sauté de son deck. Ah, il est tour 10 déjà lui de son côté. C'est assez relou. Ouais. Une game assez technique. Technique et t'as que. Ah, oh, t'as race en short. T'as race en short. Ouais, une culette, t'as race en short. Oh, limon de merde. Et non, il souhaite pas vivre éternellement, il souhaite vivre jamais de sa vie, putain. Oh la merde. Oh putain. Okay. Ok, donc là il a combien de PV ce mongol en marne? 5, il a 8. 5. Mais attends, non. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12. Attends, donc si je vais full face avec ça, donc ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc au final, même si je vais pas face avec ça. En allant full face comme ça. Je n'ai pas l'étal parce qu'il me tue ce tour-ci. Parce que ma vie c'est de la merde. T'as race en short. Putain, j'ai pas fait gaffe à mes points de vie. Faut que je fasse gaffe à mes points de vie plus souvent. Je vais toutes les perdre si ça continue. Vas-y, en vrai. Ah mais non, le problème en fait c'est que si je joue... Elle va peut-être envie de jouer ce deck là en fait, mais le problème c'est que si je joue ce deck là, je vais me faire baiser dans la gueule par tous les agros du monde et je vais pleurer parce que je vais me faire avoir par tous les agros du monde. Donc j'aurais envie de pleurer encore plus. Après je peux retenter le chasseur. Après cette game là, on va voir si je peux tenter le chasseur peut-être. Au final quand même tout ça pour pouvoir arriver au même endroit que la tout à l'heure. Ok, c'est quoi quand on a accès le même que tout à l'heure? Non. Alors. Ma vie. Ok, ma vie est bien, la vie est belle. On dégage tout, ça c'est pour pouvoir en fait contester la clairie du comté du Nord. Qui peut arriver directement. Oh, incroyable. Oh, cette main de départ est juste incroyable. Tour 1 ça, tour 1 pas ça.
En plus, il n'y en a que. Ah, j'ai pas le choix quoi, je suis obligé. Prochain tour, je suis obligé de pièce leur truc là. Fais chier cette claire du mort là, pour les pioches de mort là. Je me soigne. Nord, non. Coup d'art! Pardon. Philippe! Ok, tac. Ah non, en fait ça sert à rien d'essayer d'aller chercher des idées. Les autres. Ok. Dark Reaper. Mais non, mais supportable ce mec. Un homme relou. Je ne préfère pas attaquer. Prochain tour, je pourrais attaquer avec ça qui sera boost. Enfin, la. Toi là, je me souviens plus comment tu t'appelles. Mais Sarah sans short! Calme tes tétons! Salope! Pardon. Je me suis un tout petit peu emporté. Ok, ça va dans la gueule, c'est parfait. Prochain tour sera arme plus loup alpha redoutable. Ouais, il se soigne. Ta race. Oh, ce snipe! Incroyable! Oh, le snipe! Sbru! Il était énorme. Énorme. Juste énorme. Si je développe rien, je suis. Ah non, mais sérieusement, ils me font chier avec leur spite full de mort là. Je suis en tour 8, il va me balancer Tyrion. Oh, la lumière vous purifie! Oh, putain! Oh, Taron. Alors. Égalité. Yes! Dommage. Ok. Bon, je lui fais 20 points de... Enfin, 20 points de... 10 points de dégâts à chaque tour. Ça peut peut-être passer en 2 tours. Mais le problème, c'est que j'en suis sûr, il a une AOE, c'est mort. Il vient me sortir un truc relou. Montrer une autre façon de penser. Il me montre une autre façon de penser. Oh, plus d'attaque. Ok, donc. J'ai envie de te dire. Hop là. Bon, les couteaux vont tous face au final. Si les couteaux me disent d'aller dans la gueule, je ne peux pas désobéir à la volonté des couteaux dans la gueule. Et j'ai affiché toujours 10 points de dégâts. Et ça, c'est bien. Ça, c'est au top. Ça, c'est pouce en l'air. Les pouces en avant. Pardon. Il a un truc craqué. Qui joue pas le Froidos, sérieusement? Mais sérieusement, arrête d'aller dans la gueule, putain! Débile, merde! Au combat.
5. Il va foutre dans la gueule. Ouais, ma vie, il est là, ma vie, elle pue, non. Il a eu pas le froid, mais what the fuck, mais qui joue au Warzone en 2018, sérieusement, quoi. Pas le froid d'os, quoi. Il a survécu juste parce qu'il jouait pas le froid. Par contre, le joueur de Grand Auto, il a tellement fait plein de taf, putain, il a joué, il a balancé 3 face. Pas libéré de lampe, pas libéré de lampe, pas libéré de lampe qui donne la 4-8, pas libéré de lampe qui donne la 4-8, pas libéré de lampe qui donne la 4-8. Pas libéré de lampe qui donne la 4-8. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, pas le libérer dans le titre de la 4-8. Putain, j'ai des vieilles musiques de l'époque dans la tête maintenant. Je sais pas, il y a ces derniers temps sur YouTube, j'ai mis des mix un peu chelous. Mix un peu chelous du cul. Par contre, on va jouer. J'ai mis des mix. J'ai mis des mix en tout. Oh putain, j'ai cru que c'était l'autre. Ça m'arrange pas tant que ça aussi. Fuite, 8 plus 5, 12, et s'il a de givre ou une autre qui attaque, il a létal. Donc je suis obligé de ne pas compter sur un truc qui est létal. Je vais la perdre, je vais totalement la perdre. Deux cartes. Attends quoi, non? Attends, 8 plus 5. Attends, mais j'avais pas 14. Ah, oh, ma vie c'est de la merde, je reviens. Oh putain de merde. Ah, oh, putain de merde. Putain de merde, putain de merde, putain de merde. Ah bah je retourne en mage, hein, bizarre, ça. Ouais bah je retourne en mage, te dire quoi que vas-y, attends, pire, attends. Je suis pas fan du deck, mais je vais passer en druide en prêtre combo. Je suis pas du tout fan du deck, mais j'ai quand même passé là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais un truc moi. Je vais dire. Je vais essayer quelque chose, j'ai totalement oublié. Oui. Ok. Un peu trop late la draconide. J'ai envie de vous dire. Final cloporte 1. Ok, cloporte va toujours être incroyable pour les mobs qui vont me poser. Oh, la cléric tour 1. Allez. Ça commence. Ça commence. Voilà. Ça commence. Par contre, je suis un petit peu déçu de temps en temps de ne pas pouvoir mettre ma cam. Parce que je te fais des mimiques avec les doigts. Découvrir un dragon. Parce que ça me permettra d'activer ça plus tard. Un cloporte-fouilleur intéressant. En fait, il m'a toujours. En fait, le problème c'est qu'il m'a toujours pas révélé en fait la nature de son deck. Donc j'aurais peut-être pu prendre le dragon assoupi, mais ça coûte 9. Est-ce que j'aurais le temps d'investir autant de mana là-dessus? Bon, je peux pas pêcher plus, c'est dommage. Mais tant pis. Il y a Pink Face autour de... Soit c'est un match secret qui a une sortie dégueulasse. Mais dégueulasse, mais du cul. Soit c'est pas un match secret. Bon, est-ce qu'il est bien... Enfin, est-ce qu'il est bien... Non, mais non, non, il faut pas qu'il joue Ghast. Il faut pas qu'il joue Ghast, Rodeur.
Si je joue Geist Rider, mes possibilités de létal sont totalement divisées par 2, voire plus. Ok, donc il pioche. What the fuck, mais c'est quoi ces... Ok. Agent draconide. Mettre là. J'ai une aliche de givre. Là, je pars déjà de plan de jeu en fait. Il a Geist Rider qui va me détruire mes cartes à 1. Et vu que dans mon deck j'ai une carte à 1 qui. Déjà j'ai ça pour pouvoir lui voler ses mobs. Et ensuite j'ai. Un truc dégueulasse s'il te plaît. Merci ma couille. Et ensuite j'ai un truc qui me permet de. De faire en sorte que les PV de mes mobs. Que l'attaque soit. Les mobs soient égales à leur PV. Je sais pas, je pioche avec ça. Incroyable. Il y a 5. Ok, j'ai 15. Je peux commencer à piocher maintenant parce qu'on arrive sur le tour 6. Ouais, j'ai commencé à piocher maintenant. Comme ça, moi, ça va mettre hors de portée de bizarre en fait. Et ça. C'est peut-être un mauvais placement. Ça m'a déjà plein, c'est de l'armure en moins, donc ça m'arrange. Oh, cette musique, mon gars. Ça fait tellement musique d'espoir, du dernier espoir, du truc qu'il va rechercher derrière, fond du trou du cul du monde. Tellement craqué, j'adore. Pièce. Oh, un truc qui transforme. Ah, s'il te plaît. Élémentaire radio, donc je peux balancer l'élémentaire radio comme ça, gratos. Ok. Donc là, pardon, là, à ce moment-là, maintenant. Bon, avec le match secret, je lui ai totalement bourré la gueule. Mais là, faut juste que j'arrive à avoir esprit, feu intérieur, parce que là, je lui vole. Je mets esprit divin, feu intérieur, ça et ça. Et je lui mets Bagdad. Oh! Par contre, ma vie serait pas un petit peu de la merde parce que j'ai one off. Faut que j'attende une carte en fait. Je me suis précipité en utilisant le mode, le mode pouvoir bouclier tout à l'heure. Potentiellement. Merci ma couille, merci ma couille. Alors. Non mais je vais pas me casser le cul à faire des calculs de la con. J'avais pile la mana pour faire le truc mais. Et voilà. Excellent, c'est bon, parfait. J'avais pris le plan de jeu au cas où s'il me mettait un Geist Rider dessus avec la Jaina. Au final, j'ai envie de vous dire, j'avais pas mieux comme carte à proposer en fait. Donc au final, c'était pas si dégueulasse. Enfin, pas si dégueulasse. Enfin, j'espère que c'était pas si dégueulasse que ça. En fait, une des erreurs en fait que j'ai. Ouais, je sais pas si je peux appeler ça une erreur. J'ai tourné autour du Geist Rider en jouant des mots de pouvoir bouclier. Après, j'avais deux plans de jeu différents en fait. Si je jouais autour du Geist Rider, en fait, je jouais pas autour de l'hospice qui pouvait me faire de voir le truc. Par contre, n'empêche, je tiens à dire le petit top deck RD quand même du Mass Dispel pile au bon moment. Moi, voilà. Il était incroyable. Ok, bon, un ladder capricieux. Oh, pas mal. Un dragon, je pourrais pas jouer. Enfin, je vais jouer un jeu au moment, c'est une pièce, ça peut être toujours plus intéressant plus tard. Temporus, en vrai, ça serait
pas dégueulasse, ça en fatigue. Ça en fatigue. Pardon. C'est dégueulasse comme imitation. Comme accent dégueulasse. Bah, Temporus en vrai. En vrai, Temporus, ça le donne deux tours d'abord et ensuite ça me donne deux tours. Ça peut me permettre d'avoir un. Pardon. Un létal incroyable. What, ça joue ça? Prochain tour, je fais une 12-12. Prochain tour, c'est 12-12. Ok. Là, il me sort Living Mana. Okay. Nourish. Ok. C'est pas une 12-12. Ok. T'as pas de carte permettant de gérer ça. Sinon, je me la coupe. Non, je me la coupe pas, mais. Ok. Un Garlou, numéro 2. Bon. Ok, donc je vais voir qu'est-ce que je peux avoir avec ça. Ok, donc là je vais pouvoir mettre combien? Ça me permet de faire des trucs pas trop dégueulasses. Est-ce que je pièce le Dark Reaper? Je vois pas en fait quel danger je peux avoir pour piécer en fait. Au final. Ah merde, j'aurais dû soigner mon mob en fait. Je suis con. J'aurais dû soigner mon mob, c'est plus important. Mes points de vie, je m'en battais les couilles en fait. De toute façon, je regarde, j'ai toujours Alchimiste Démon qui va pouvoir lui inverser ses points de vie. Armure Man. Il va me saouler, Armure Man. Ok. Il est à 14, 14 plus ça fait 20. Mais pas trop se précipiter, j'ai envie de dire. Je vais poser lui. Il va me donner. Ça pourra peut-être te permettre de piocher plus tard. Behemoth sera. J'ai une 3-6 qui sera toujours efficace dans le final. Ça là. Et ça là-dedans. Les pièces, je soigne lui. Ok. La 16-16 au tour 4 l'a tellement mis mal que là, il est obligé de faire des plays défensifs depuis tout à l'heure. Nourish qui fait piocher 3 cartes. Et là, pour là, ce tour-ci, j'ai l'étal. J'ai l'étal, je mets Alchimiste Démon là-dessus. Je me suis assuré de l'étal. Ok, parfait. Ah, il est en train de. Il est en train de se dire, ouais, vas-y, voilà. Et il concède la victoire. Excellent! Ouais! Ok, bon, on retourne sur un ratio entre guillemets positif. On retourne sur un ratio positif, puisque j'ai gagné une étoile par rapport au début du stream. Ah putain, mais non! Vas-y, mais j'ai gagné qu'une étoile quoi, vas-y, mais c'est la loose absolue! La loose d'un homme! La loose totale d'un homme! J'ai gagné qu'une étoile! Tac, ok! Ok, prêtre contre prêtre! Tin. Je relance ça. En vrai, j'ai envie de tout relancer. Je relance tout, j'ai pas besoin de tout ça. Il me faut de l'early game en fait. Il me faut de quoi essayer un petit peu de temps pour l'early
game, c'est moyen. Je peux tenter de pièce ça, in tout ça, mais c'est peut-être un peu faible. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurai peut-être toujours ça, mais ça me permettra d'aller chercher quelque chose d'intéressant vraiment dans mon deck. Donc, au final, je sais pas. Faudra voir si en fait, en fonction des top decks que j'aurai. Ah bah, l'élémentaire radio, ça me permet. Bah, l'élémentaire radio, ça me pousse à ne pas pièce. Ah voilà! Ça me pousse à pas pièce. Alléluia. Ça me pousse à pas pièce. Ça me... Ah merde! Oh le con! Ah! Ah! Ma vie, non! J'ai pété un câble, j'ai pété un câble, j'ai pété un câble. Ah non! Ah non! Ah tuez-moi! Ah non, tuez-moi! Ah merde, depuis 5 minutes. Ah mais mec, y'a personne qui me prévient aussi, what the fuck, attends. Tac, tac, tac. Puf, 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 puf. Non, c'est pas normal. Nique sa race. Attends. Pourquoi j'ai ça d'ouvert? Attends, je check des trucs. Tac, 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 je check, je check, je check. Ok. Ok. Bon, attends, je joue mon tour et après on verra pour les problèmes. Alors, ça, je pourrais faire. Bah, vas-y. Ok. Donc j'ai un tour, prochain tour. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Je gère ça tout de suite. Sous peu. Nique ta race. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont en jeu ici? Ici, non. Check un dé. Waouh. Ok. Ok, ça a l'air d'être à... Non, c'est pas revenu. Puf, 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 pif, paf, pouf, pif, paf, pouf. Putain, mais vous êtes des enfoirés quand même. Les seules fois où vous clipez, c'est pour me dire que je buff. Vous êtes vraiment des connards. Non, mais je sais que je buff, putain. C'est bon. Je suis au courant, vous venez de me le dire, c'est bon. Ok. Si je peux pas chercher un truc intéressant, ça je m'en fous un petit peu. Final web. J'ai rien joué ce tour-ci. Mais ça fait. Mais pourquoi y a personne qui me le dit alors? Enfoiré. Si ça fait 20 minutes que c'est comme ça, pourquoi y a personne qui me le dit? Attends, donc tac, 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 tac. Tac, ok. Par contre, un mec relou. Putain! Putain, ça m'énerve! Putain, dis merde! Counard. Tac, tac. Par contre, ça commence à vraiment me saouler.
Ça commence à me saouler. Ah putain, cette game, j'ai perdu parce qu'il m'a mis le guest trop rapidement. Quelqu'un est blessé. Ok, mais pourquoi j'ai un putain de buff de mort? Pourquoi j'ai des buffs de mort? Pourquoi j'ai des buffs de mort? Pourquoi j'ai des buffs de mort? Mais il me saoule. Il me saoule, il me saoule, il me saoule totalement. Ça. Pas mal de clean plus tard. Ok, j'ai que ça dans mon deck, ok. Je sais plus que... Ok. Le duo tu rage. Oh le mec! Le mec, le mec, le mec, le mec, ça a l'air d'être rasse. Non putain, mais pourquoi quand j'ai dit que ça a l'air d'être arrangé, c'est pas arrangé du tout. À chaque fois que je dis que ça s'arrange, ah ben ça s'arrange pas. Quand il n'y en a plus, ah ben il y en a encore! Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai totalement lose la game. Celle-là, j'ai totalement lose. En fait, le problème, c'est qu'il m'a mis le guest tour 6, ce con. La contre sa race, là. La contre ses morts. Hein, la colotte de vos morts. Et on va jouer ça. Ok. Ok, bonne app. Par contre, mon bubble de co, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ma co, elle pue la merde. Ça a l'air d'être revenu. Et à un moment où je veux dire, ça a l'air d'être revenu, il y aura un bug de fils de chien qui va me dire non, ça bug. Voilà, il est là le petit drop, voilà, je l'ai vu. Putain. Putain, Tarky Burn, nique ta mère. Nique bien. Bah, le problème, en fait, c'est que si je buffe le truc et que j'arrive pas à le tuer en un tour, il va me mettre un contrôle mental là-dessus. Et je vais me faire baiser. Donc, au final, je suis dans la merde. Quoi qu'il arrive, je suis dans la merde. En fait, le problème, c'est que je peux plus utiliser pour d'autres folies, je peux plus utiliser fin intérieur, je peux plus gagner. Oui! 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 Je comprends pas pourquoi. Je putain de drop. J'ai des drops, ouais, j'ai des drops, putain. Putain. Ok. Ok. Je vais check quelque chose, hein. Enfin, c'est pas des téléchargements, voilà. Con. Check s'il n'y a pas des petits téléchargements à la con qui sont trouvés. Putain, mais ça fait 20 minutes, comment ça se fait, putain. Tac, fin de tâche pour ça. Alors, ce que ça peut faire? Alors, ce que ça peut faire? Ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Bien sûr, il y a un vieux téléchargement en fond que j'ai jamais cramé et qui va me casser les couilles. Ça va me casser les couilles, mais d'une force. Voilà, on va retenter match secret. Faut moins que j'ai au moins un petit ratio positif. J'ai gagné au moins une... Enfin, que je suis au moins une étoile par rapport à plus, des plus que par rapport à tout à l'heure. Jamais gagné, putain. Jamais gagné d'étoile.
dans ce putain de jeu. La con de toi. Merde. On fait un truc, tac. Ok, ok. Ok, ça a l'air d'être revenu. Je vais mettre le son du jeu. Ça a l'air d'être revenu. Nique ta race. Option. Je dois protéger la nature. Vous l'avez cherché. Alors, tout sauf d'aventure. Bon. Ok. Il doit protéger la nature. C'est pas le bloc de glace que je veux voir en fait. C'est un autre secret, il a la pièce, ça voit le putain, mais bordel, je bug. Pourquoi je bug? Dites-moi pourquoi, bordel! Pourquoi je dédrop? Pourquoi? Je vais te remener la vidéo à la cour. Tu vas pas m'aimer, hein. Tu vas pas m'aimer. Tu vas totalement pas m'aimer. Je vais te faire vivre un enfer. Des scarabées, mes préférés. Je vais te faire vivre un total enfer. Ok, un scarabée, c'est préféré. Je sais pas, c'est... Éclair de givre là-dessus. Qui me permet de garder ma... Incroyable. Incroyable. Ah d'accord, ok. Je comprends pourquoi je bug comme une grosse merde. En fait, mon... En effectuant un speed test en live, je viens de me rendre compte que ce putain d'upload bug sa mère. Tara son short. Je savais que ça allait pas être, que ça allait être compliqué de faire ça le mercredi. Je savais que ça allait être compliqué. Je savais que les gens allaient se moquer de moi. Ok. Excusez-moi, mais vous êtes en feu. Je savais. Le problème, c'est que je peux pas reboot le truc maintenant. Parce que. Je peux pas reboot pour 15 minutes quand même. Ouais, après cette game là, je vais voir pour reboot un coup. Ah, il joue Ktoon. Ok. Ouais, non, il joue bien Ktoon. Putain, par contre, ça me casse les couilles. Ça me casse vraiment les couilles. Sur le... le seul sort qu'il a, c'est Flame Team. Mais si j'arrive à le copier, je suis bien. Après le problème c'est que j'ai envie de faire ça aussi. Après ça sera proc quoi qu'il arrive, enfin ça sera jamais, quasiment jamais proc. Sauf par fléau, et fléau à 0 sera toujours bien. Comme s'il veut piocher, mais ça m'étonnerait qu'il vienne qu'il ait envie de tricks. Je vais tenter le coup, donc je vais balancer ça dans le... Ok. Ma vie, elle pue du cul! Totalement! Incroyablement! Ok, Ktoon, c'est son bouclier. Bon, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas Ktoon qui va me... C'est pas Ktoon qui va m'inquiéter, entre guillemets, on va dire ça comme ça.